on a connu Fidesco par Jean-François Grenier. Tout de suite, on a eu un bon contact avec lui. Il nous a bien vendu son approche technique et professionnelle du développement agricole qui nous a tout de suite beaucoup plu. La semelle de labour de l'année dernière, tu vois? Pour la pénétration des racines, on voit bien que c'est pas idéal. Hein. Faut pas qu'il se prenne un coup de cœur, non, parce que... Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais pendant 50 ans, la ferme école a dispensé des formations. Donc ça, c'est grâce à ça, elle bénéficie d'une grande notoriété. La problématique des paysans de la région, c'est qu'ils n'ont pas assez de fumier par rapport aux surfaces à cultiver. Donc il y a des techniques qui permettent d'ajouter du fumier en fait en mélangeant avec des matières vertes et des matières sèches. Ça va être utilisable dans un mois et demi, deux mois. Il y a un tas de possibilités. On travaille aussi sur des associations de culture avec des interactions positives. Pour ne pas empêcher les jeunes de travailler chez eux, on décale d'un mois en amont, quoi. Ça veut dire que là, on est au mois d'octobre et eux travailleront chez eux, appliqueront ces techniques dès le mois de novembre. Ça leur permet de mettre en place les techniques avec des choses assez fraîches, quoi, qu'ils ont vues quelques semaines auparavant. Qu'est-ce que sont pas là ? Nous avons fait comme ça pendant des dizaines d'années, mais... Nous avons toujours des récoltes pour vous vivre, mais pourquoi tu veux les changer comme ça? Gestion de temps, gestion de semences, gestion de financement. Si on prend la technique améliorée, on peut avoir jusqu'à 3 fois la production. J'ai transmis les savoir-faire et tous les gens prendre, mais attendre l'expérience.